étions chez le psy juste après. Bonjour, lieutenant Blake de la police fédérale. Voici l'agent Norman Jaden du FBI. D'après nos informations, Ethan Mars est un de vos patients. Nous aimerions vous poser quelques questions à son sujet. Je suis désolé, mais c'est impossible. Je vous demande pardon. Je suis lié par le secret professionnel. Je ne peux en aucun cas discuter des dossiers de mes patients. Non, je veux pas m'asseoir. Mon boulot, c'est de retrouver Sean Mars vivant. Et vos scrupules à la con, j'en ai rien à foutre. Émouvoir le psy. La vie de Sean Mars dépend peut-être de vous. Dites-nous ce que vous savez, docteur. Je suis désolé. Je ne peux rien faire pour vous. Je vais vous demander de partir maintenant. Oh, tu te calmes. Si vous voulez éviter les ennuis, tâchez d'être plus coopératif. Convaincre. Vous n'allez pas risquer de protéger un assassin. Si vous savez quelque chose, vous devez nous le dire. Vous me menacez ? Je vous donne juste un conseil, docteur. Vous feriez bien de le suivre. Calmez Blake. Carter, ça suffit. Allons-nous-en. Je vais passer un coup de fil à la police pour me plaindre de vos agissements. Bon, mais attends, je m'assieds. Ah bah non. Vous commencez sérieusement à m'emmerder, docteur. Tout ce qui m'intéresse, c'est de sauver la vie de ce gamin. Alors vous allez gentiment répondre à nos questions. Parce que sinon, je risque de vraiment me mettre en colère. Carter, arrêtez, immédiatement. Il a un problème, lui, hein. Chez moi. Vous n'avez pas le droit. Il a un problème, ce flic. La violence policière. Je commence à perdre patience. Je vous conseille de nous dire tout ce que vous savez, docteur. Si vous ne lâchez pas ce type immédiatement, je fais un rapport et je demande votre mise à pied. Qu'est-ce qui vous prend, Norman? Vous vous dégonflez? Vous voulez plus sauver Sean Mars? Je veux sauver Sean Mars tout autant que vous. Mais ça ne nous donne pas tous les droits. Alors vous arrêtez vos conneries, tout de suite. Dan Mars souffre de problèmes psychologiques depuis la disparition de son premier fils. Il pense qu'il est responsable de sa mort. Il souffre d'une sorte de névrose morbide. Il est hanté par des visions d'enfants dans de l'eau. Il y a quelques semaines, après une séance avec Ethan, j'ai retrouvé ça par terre. Je suppose que c'est tombé de sa poche. Bah là, ils vont faire un rapprochement direct comme quoi c'est le tueur aux origamis. Succès déverrouillé, bon flic. Le bon flic, méchant flic. Yo, Turcoum ! Ash, je veux que tu récupères tous les hommes disponibles pour retrouver Ethan Mars. Tu mets quelqu'un devant chez lui, jour et nuit. Tu informes toutes les patrouilles qu'elles se mettent à sa recherche. On surveille les gares, les aéroports et les terminaux de bus. Je veux qu'il ait tous les flics de la ville au cul. Je veux pas qu'il puisse mettre le nez dehors sans qu'on le sache. Ouais. Le tueur aux origamis s'appelle Ethan Mars. Non, je pense pas que ça soit le tueur. Je vais en parler après si j'ai... En fait, je pense que c'est pas le tueur. Pourquoi ? Parce que les enregistrements...